C'est ramassé sur le bord de l'eau pour virer une brosse avec caillouche. Rouler des milliers de kilomètres et brûler cinq alternateurs pour vous montrer que faire la fête, nous autres, ça nous fait pas peur. Partout où ce qu'on est allé, le party a pogné. Le party est pogné. Le party est pogné. Tant que la bière. Pendant trois heures, en passant le parc, la véranderie, se saouler avec les camionneurs, à Parrot en Abitibi. Voir un abri de la tempête, en écoutant le chant des baleines, se réveiller avec un mal de tête, se faire grève aux îles de la Madeleine. Partout où ce qu'on est allé, party oh. On a dit que c'est parce qu'on avait trop bu. Mais si c'était à recommencer, je changerais rien de ce qui s'est passé. Partout où on va aller, ici c'est à soi que ça va fêter. Campagne sont dans Grandville! On n'est pas 500, on est 6000. J'ai me dit on a vendu 500 billets, je dis c'est bon. Mais non, c'est. Fallait le dire s'il fallait louer le Sandbell. Prochaine fois. Ils ont-tu de la bière à boire, la belle gang de Montréal? Valois, es-tu prêt à en déboucher une? Ben oui, certainement. Vas-y donc. Cette toune-là s'appelle « Away Down, débouche down! » Away Down, Away Down, Away Down, débouche down, débouche down, débouche down. Une gang pis un fond jusqu'à ce qu'il fasse la dehors. Away Down, Away Down, Away Down. J'ai travaillé comme un malade toute l'année. J'mériterais bien une petite semaine de congé. Away
À soir, on va casser Montréal. Ça se peut-tu qu'il manque de bière à Montréal? On a-tu rien que des gars sur le party? C'est moi qui rêve, les gars. Il y a juste les gars qui ont le droit de chanter. Juste les gars. Juste les gars, attention. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens. Les gars. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre. Danny, les gars ou les filles? Les gars ou les filles, à soir? Là, faudrait essayer les filles. À soir, c'est les filles. À soir, c'est... Attention. Les filles! Un, deux, les filles! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te... Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston. Ça me prend le drink de tout le monde dans les airs. La prochaine, on la dédie à tous les bons buveurs qui sont avec nous autres. Les buveurs de bière, les buveurs de fort, les buveurs de drink. Et surtout, les buveurs de bonnes petites bouteilles de vin. C'est pour vous autres, ça. Bonne bouteille de vin.
l'ariden, matapatali, matou, matatalou, malimatou, matapatali, matou, matatalou, l'aride, donten, l'ariden, matapatali, matou, matatalou, malimatou, matapatali, matou, matatalou, l'aride, donten, l'ariden, matapatali, matou, matatalou, malimatou, matapatali, matou, matatalou, l'aride, donten, l'ariden, matapatali, matou, matatalou, malimatou, matapatali, matou, matatalou, l'aride. La gang de la campagne qui arrive à Montréal de tabarnak, c'est quoi? D'habitude, on fait pas ça, hein, Danny? D'habitude, c'est vrai, on fait pas ça. Jamais. Mais à soir, on était tellement nerveux qu'on était obligé de boire une tournée de shooter dans l'âge tantôt. Puis là, ça me rappelait une affaire, Danny. Ça me rappelait qu'à soir, c'était la fête de certaines personnes qui sont avec nous autres à soir. Il y en a une que j'aimerais ça te présenter. Il y en a une que c'est ta femme depuis les 25 dernières années. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est la fête de Nathalie Hervé. Je t'aime, chérie. Ce soir, c'est la fête de Jeannette. Yves et Jeannette célèbrent leur 40e anniversaire de mariage. C'est ce soir, merci d'être là, la gang. C'est la fête de Jennifer Kreit, qui est avec nous autres. Et c'est la fête de Alain Provost. Mesdames, messieurs, c'est pas tout. Ce soir, c'est ma fête à moi. C'est ta 30e fois cette année. Shooter, 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 shooter. Pour ma fête. Hey, swap. Shooter. Shooter. Pour ma fête à moi. Shooter, 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 shooter. Shooter. Attention, pour toutes les fêtes. Mes chers amis, levez-vous. Au nétibus, au mentonbus, au tatonbus, au nombribus, au sexibus, jusqu'à ta bouche. Igloo, 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 igloo. Parce qu'à soir, c'est la fête à tout le monde! Ils sont des nôtres, car ils ont bu leur vin comme les autres. C'est des ivres. J'avais 7 ans, j'étais pas grand, et je passais toutes mes soirées assis en haut de l'escalier à écouter le violon sonner. C'était Danny ou Ben Gérard qui se remplaçaient chacun leur tour. Moi j'écoutais les accords jusqu'au bout. Un autre veillé vient de commencer.
commencer. De toute façon, c'est bien comme ça. L'hiver va finir par penser. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer sur la guitare à Willy les accords que j'écoutais dans les veillées, dans l'escalier. Merci tout le monde, bonne soirée! Voulez-vous un rappel? Tu sais combien de tacos que j'ai mangé tantôt en face? Moi, j'étais à l'heure du break. Hey, on va arrêter de faire nos fraîchers pour faire comme si c'était normal pour nous autres. C'est la première fois qu'on fait une aussi belle grosse salle à Montréal. Merci beaucoup d'être là, la gang. C'est... Angie, c'est pas sans nous rappeler les premiers shows de lendemain de veille. C'était exactement comme ça dans nos souvenirs. La première fois, ceux qui nous ont vus souvent en show, vous savez, je la raconte cette anecdote-là, mais moi et Jay, on était montés aux Deux Pierrots, on avait 16 ans, on était montés aux Deux Pierrots. On s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, nous autres. On est arrivé, Shady nous attendait, ceux qui ont connu le 2P. Shady nous attendait, il dit, les gars, on va prendre vos cartes. Puis on a dit, quelle carte? Il a dit, d'après moi, vous avez pas l'âge de rentrer ici. Et on est retourné bredouille, 85$ de taxi plus tard à Saint-Étienne-de-Beauharnois, dans un petit coin. Et c'est là qu'on a appelé notre chum Joe. On a dit, Joe, ta mère, ça y dérange-tu qu'on aille faire un party dans le sous-sol? Il a dit, non. On veut saluer ce soir toutes les mamans qui sont comme la maman de Joe et qui permettent à leur ado de faire des parties tout seul. Yes, on en connaît. Et c'est là qu'on a viré notre première brosse à la crème de menthe verte. Celle-là s'appelle « Dans le sous-sol chez Joe ». Dans ce sol chez Joe.
La brosse qu'on a virée à crème de menthe verte. Te rappelles-tu, Alex Hiel avait vomi du Kraft Dinner vert, on s'en rappelle tous. Là, j'essayais d'étirer ça, je sais pas, j'ai-tu le droit? Le note est où? Le note est où? Je sais pas. Le mien est là, en tout cas. Hey, shooter! Tout ça a commencé un 23 juin au soir, le 23 juin 2008, mesdames, messieurs, la veille de la fête nationale du Québec. À l'époque, on était de tout jeunes lendemain de veille qui rêvaient de devenir des rockstars puis de chanter en anglais. On a viré ça de bord. Notre chum Meurs qui est avec nous autres à soir, c'est-tu vrai qu'il est là? Hey Mathieu Mercier, t'es où? Il est là! Salut mon gros burger, salut! Conseiller municipal, maintenant on a vieilli tous. Meurs, hey, j'ai-tu le droit de faire l'histoire au complet? Meurs faisait le party de la Saint-Jean dans le cours chez ses parents. D'ailleurs, je pense qu'il doit des centaines de milliards à son père depuis ce temps-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé avec ça. Il nous a appelé, il a dit, les gars, je pense que vous devriez faire un petit show. Et c'est là qu'on s'est monté une dizaine de chansons. Et qu'on a fait notre premier show à vie le 23 juin 2008. Et c'était sur la scène de la charrette à foin du chemin de la rivière Nord. Dans la prochaine tourne, on va vous conter notre histoire. C'est parti. C'est parti, on y va. Fais-moi confiance, tu regretteras pas. Accorde ta guitare, ramasse tes bâtons. Monte sa charrette, puis montre-nous que t'es bon. Dis-moi donc, petit garçon, que tu vas slacker sa boisson. Finis l'école, arrête de rêver. Trouve-toi une job, essaye de te causer. Trouve-toi une job, essaye de te causer. Supposais-tu juste un soir, une longue nuit sans lendemain, devant nos chums et nos voisins. 10 ans plus tard, le chemin encore, parti du chemin de la rivière Nord. Y'a quelque chose qui nous tient pas loin, la chambre est à foin. J'ai décidé de partir de la maison, suivre les étoiles, voici la terre est ronde. Va bien falloir s'en faire une raison. Pays en bière, c'est pas la fin du monde. Je sais que le temps passera pas vite, la gloire ce sera pas pour tout de suite. Je vais dans des bars pour une poignée de scène. Attendre le jour où on jouera si pleine. Attendre le jour où on jouera si pleine. Ça sent bien les chums, ça sent bien les plaines d'Abraham. Ça sent bien. C'est ainsi que notre histoire. Supposais-tu juste un soir. Supposé dur et juste un soir, une longue nuit sans lendemain. Devant nos chums pis nos voisins, 10 ans plus tard, le chemin encore. Parti du chemin de la rivière Nord, y'a quelque chose qui nous tient pas loin. La chore est à foin. La chore est à foin. La chore est à foin. Un salut tout spécial à ceux qui nous suivent depuis 2008, qui sont avec nous autres ce soir!
C'est la première fois que vous allez nous voir être bons. Parce qu'on a bu un peu moins. Ce soir-là, notre pace, c'était quoi, Meur? C'était, on vous ouvre le fridge à bière, vous prenez ce que vous voulez. On s'est pris une bonne pace ce soir-là. On s'est pris une bonne pace. On va finir par trouver c'est qui les meilleurs chanteurs avec nous autres ce soir. C'est la raison pour laquelle le Club Soda nous a engagés. Ils ont dit, ça fait 40 ans qu'on est ouvert, on ne sait pas encore c'est qui les meilleurs chanteurs. Je dis, nous autres, on va le savoir en tabarnak. On a même songé réouvrir le 2 Pierrot ici ce soir pour vous autres. On va checker si ça mérite ça. T'es-tu prête, mon Dan? On fait un test pour toutes les femmes du 2 Pierrot qui sont avec nous autres ce soir. Parce qu'on est un des bands qui a fait le plus de shows là. Pendant les 50 années du 2P, on a été là 200 fois en 10 ans. Je pense que c'est un record. On l'essaie-tu, mon Danny? OK, Ryu, calme-toi, il joue moins vite. Aussi. La belle vie pour moi, en tout cas, c'est clair, c'est toi. C'est pas les îles Fidji, c'est pas le soleil. Juste un dimanche dehors, étendu dans l'été, avec... Je le connais, c'est aussi beau que Mexico. Bienvenue aux 2 Pierrot! Du rodéo, des bières en canette, des filles en salopette. La soirée, ce sera pas chic, ça va être lette. Je me rose pas le poil, ça m'aide. Mais je suis quand même un cowboy moderne. Je défie des animaux en furie qui marchent à l'électricité ou même à batterie. J'en ai fait une pelle, mon chapeau, mais je demeure le héros du rodéo. J'ai affronté cette bête électrique et j'ai vaincu cet animal mythique. C'est moi le On a-tu des fans des colocs avec nous autres ce soir? C'est le medley de Pierrot. Hey, 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 hey. Dans ma petite ville, on était jusqu'à 1000. Puis là, le principal, la sablette. La coop, le gaspard, la gaspard, le croque-mort. Et le magasin général, oh, quand j'y tourne, ça me fait assez mal. Il tombe une bombe, c'est le principal. Juste 4000. La coop, le gaspard, ça va coûter cher à soir. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me. Yeah. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le quoi? Le centre d'achat. Le quoi? Le centre d'achat. On est monté par la 131 Nord. Faites 40 000 sur des chemins en garnant. Sur le banc en arrière, les frères Talbot dormaient comme des marmottes. Pendant qu'on cherchait le chacun mon oncle Hector. Il vient back avec le toit défoncé. Sur mes tuyaux de moineaux, c'est à vous autres de chanter!
Bon, si tu finis chaud, là. La gang du Club Soda, ils nous ont demandé aujourd'hui, ils nous ont demandé est-ce qu'on ouvre les bars, est-ce qu'on ferme les bars. Je pense que vous êtes mieux des ouvriers. À tous ceux qui ont une petite bière, il m'en reste une. Une petite gorgée. C'est une animation que je fais depuis des années, mais c'est la plus importante pour moi. À tous ceux qui ont fait plus que 5 minutes de char pour être avec nous autres ce soir. On a-tu la gang de la Rive-Nord de Montréal? Pas encore. Hey, les gars, on retourne dans nos patterns du 2 Pierrot. Attention, la Rive-Nord, on y va. Rive-Nord, 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 Rive-Nord. Rive-Nord. Non, ça marche pas, les gars, non. On a-tu du monde de la Rive-Sud de Montréal avec nous? 1, 2, 3. Rive-Sud, 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 Rive-Sud. OK. Pas soir qu'on va régler ça, ce problème-là, on l'assied pendant, disons, 2 Pierrot. La prochaine toune est importante pour nous autres parce qu'on veut la dédier à tous ceux qui sont fiers de venir de la campagne, à tous ceux qui sont fiers de venir de la banlieue. Parce qu'on se rejoint à Montréal pour fêter, mais c'est important pour nous, nos racines. Nous autres, on est ancrés dans le coin de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Il y a 2 conseillers à soir. Il y a 2 conseillers de la ville, fait qu'on le dit pour essayer d'avoir une subvention, je sais pas. C'est important pour nous autres parce que quand on fait de la tournée puis qu'on se ramasse dans n'importe quel village de campagne ou de banlieue, on se sent exactement comme si on était chez nous. Parce que c'est du monde recevant. Ils savent recevoir, ils savent boire, ils savent faire le party. Et à tous ces gens-là, on vous dédie la prochaine toune. Celle-là s'appelle God Campagne. C'est parti. Thank you.
qui connaissent l'endemain de veille depuis longtemps, la nouvelle recrue, l'homme le plus moustachu de toute l'endemain de veille, l'éteint des drônables. Hey Jean-Fred, j'avais prévu de faire une danse en ligne à la gang en avant, mais... La gang du Club Soda, avez-vous déjà vu une danse en ligne ici? Jamais, ça n'a jamais été fait. OK, je pense qu'il va falloir faire un record Guinness, mesdames, messieurs. Ça va être la toute première danse en ligne du Club Soda. Soir, ça se passe, ça, Danny? La première danse en ligne du Club Soda. Vous allez partir une danse en ligne, me compter jusqu'à 4. Jean-Fred va partir un riff. Vous allez partir par ce bord-là, ça c'est votre droite, la droite. On se prépare la gang, on se prépare les bottes de cowboy. On part par là. Dans 1, dans 2, dans 1, 2, 3.
Mesdames, messieurs, c'était Vincent Bourgeois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça aussi? Ça, c'est les pantoufles officielles du Live à Rio, mesdames, messieurs. Et c'est mes pantoufles préférées. Danny, tu vas me permettre de me mettre à l'aise? J'y mets-tu? On se met-tu à l'aise, la gang? Hein? On enlève tout un morceau de linge, la gang. J'ai-tu le droit à un? Ah non! Ah, non. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé une fois les lives à Rio, une fois? Ceux qui ont regardé deux fois les lives à Rio? Ceux qui les ont regardés toutes les semaines? Moi, je suis plus stressé avant un show. Ma chum Dédé Thériault me demandait « Pourquoi t'es pas stressé? » J'ai dit « Ils m'ont vu pendant 75 semaines show red dans mon sous-sol à la maison. » Plus stressé. À tous ceux qui ont regardé une fois les lives à Rio, au bout de bonne gorgée! Mettons qu'on en ferait une. Mettons qu'on en ferait une, puis vous êtes obligés de chanter pour me prouver que vous l'avez regardé au moins une fois. Vince, je suis... Oh. Shooter, 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 shooter. Shooter. C'est quoi l'idée de demander une bouteille de Jack? Je veux saluer ma mère qui est avec nous autres à soir. Allô, maman! Maman est tout le temps fière de voir son petit gars boire 75 shooters. Ça, c'est... OK, j'en pars une. Les boys, prenez votre temps, prenez une petite bière. Hey, si tu veux, Jay, tu peux mettre l'éclairage chez moi, on va en essayer une. On la connaît pas, celle-là. Mais... OK, je l'essaie, là. Il y avait une femme que je connaissais. Je m'ai trouvé intéressé. S'il était là, je l'appellerais. Trop gêné, puis je bégayais. Ah ouais, Mark. Je l'ai vu dans un magasin. L'allée du pain, chutait pas bien. La soeur m'a pris les mains trempées. Puis j'ai commencé à bégayer. J'ai dit, ah, comment ça va? Ça va-tu bien? Ah, t'as pas changé? Moi, je t'ai manqué le bégayeur! C'est la toune à qui, celle-là? Oh, elle me dit, ça va très bien. Oh, je suis venu chercher mon petit pain. Pour faire des tours demain matin et un petit thé pour ma journée. Je l'ai invité pour souper. Elle m'a suggéré un team café. Toutes sortes de choses qu'on discutait. Moi je disais rien puis elle a parlé. J'ai dit ah, ah oui, parle-toi. On s'a quitté. J'ai bien passé ma petite été. J'ai pas trouvé ma préférée, non. Quand je la trouve, je la dirai. Je la dirai comment ça va? Ça va-tu bien? T'as pas changé? Moi, je t'ai manqué. Ah oui, j'en ferai, non. La connaissez-vous, celle-là, c'est le bégayeur!
Merci à tous ceux qui ont écouté le live à Rio. Merci beaucoup, la gueule. Qu'est-ce qu'on chantait pendant le live à Rio? On a chanté bien les affaires en tabarnak. On a chanté. On a chanté celle-là. J'ai même fait un live en direct de la cour chez ma grand-mère. Vous l'avez vu celle-là au mois de mai? On va en refaire un autre. Ma mère va avoir 95 ans. On va avoir 95 ans cette année. On y va chanter sa toune préférée. Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. C'est à vous les autres. Allons voir si le vin est bon. Allons voir si le vin est bon. Moi j'en boirai 5 à 6 bouteilles. Salut tout le monde, merci. Mesdames, messieurs, à la console d'éclairage, faites du bruit pour Jeremy Room, baby! Ah ouais, Jay, t'es-tu parti fumer une smoke? Es-tu là, Jay? Parce que ce soir, on vous a préparé une surprise, toute la gang. Et ce n'est pas des bouteilles d'eau. Il est là, tabarnak.
Mesdames, messieurs, pour tous ceux qui suivent les lives à Rio, pour tous ceux qui suivent la main veille depuis des années, et pour tous ceux qui sont venus au moins une fois au Vieux Brasserie Festive. Il est avec nous autres à soir. Faites du bruit pour monsieur Éric Chénier! Éric Chénier, il y avait une toune qui voulait qu'on mette sa deuxième album. Parce qu'Éric Chénier est vraiment très croyant. Mesdames, messieurs, on s'en va faire un tour à l'église avec notre prêtre, monsieur le diacre Valois. Très chers frères et sœurs, si nous sommes réunis ici ce soir au Club Sona, c'est pour célébrer la vie et pleurer la mort de Tidjo Monfarlot. Et encore il disait, ça sent la moutarde. C'est Tidjo Monfarlot qui s'en revient de l'étable. C'est Tidjo Monfarlot qui s'en revient de l'étable. S'il s'en revient de l'étable, c'est pour manger de la marde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. S'il s'en revient de l'étable, c'est pour manger de la marde. S'il s'en revient de l'étable, c'est pour manger de la marde. Il y en a tellement qu'en est tombé malade. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Y'en a tellement mangé qu'en est tombé malade. Y'en a tellement mangé qu'en est tombé malade. On vit venait un docteur, mais c'était un docteur de marde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Ceux qui sont prêts à faire le party! On vit venait un docteur, c'était un docteur de marde. On vit venait un docteur, c'était un docteur de marde. C'est une piqûre, c'était une piqûre de marde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. C'est une piqûre, c'était une piqûre de marde. C'est une piqûre, c'était une piqûre de marde. C'est le petit Joe est mort d'avoir trop mangé de marde. Et encore il disait, hey! Ça sent la moutarde. Et encore il regarder partout à soir. Y a-tu du monde que t'as vu qui ont pas chanté? Pointe-moi les, je veux le savoir un par un.
Tous les gars en avant, Mathieu Mercier n'a pas chanté. Au deuxième étage, as-tu regardé? Tout le monde, ma mère n'a pas chanté. Il n'y a personne qui a chanté. OK, attention. Éric, on leur destine une deuxième chance. OK, on va leur destiner une deuxième chance parce qu'ils vont trouver que ça goûte bizarre sinon. Attention. OK, on essaye ça, mon Rick. Pis ceux qui n'ont pas chanté. Là, tu n'as-tu vu où on est correct, là? On est correct? Qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui n'ont pas chanté, Eric? Ben, mangez toute la marde! Et encore, ils disaient, ce sont la moutarde. Et encore, ils disaient, ce sont la moutarde. Et encore, ils disaient, ce sont la moutarde. Et encore, ils disaient, ça sent la moutarde. Tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'il vend la bière au siège. J'espère qu'il vend la bière au siège. Je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. Oui, j'espère qu'il vend la bière. Hey, ciao, 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 ciao. Il faisait beau, il faisait chaud, il faisait ce que tu voulais, il faisait dur, mais tu l'aimais. En toute franchise, je pouvais pas t'en promettre plus, j'espérais qu'une aventure fasse l'affaire. Quand je t'ai parlé une première fois, je te disais tout, ce qui me semble être efficace, ça maudit que t'es belle. Tous les petits chiens ont passé chacun leur tour, soudain je me suis retrouvé seul avec ma bière. Oui, j'étais fin, j'étais quand même sub, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais tout aussi invisible. Oh, quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'ai décidé de faire un de moi. Là, je t'ai dit que tu me tentais, je t'ai dit que je te désirais. Soudain, je me suis retrouvé seul. J'espère qu'ils vont la bière au ciel. J'espère qu'ils vont la bière au ciel. Je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas.
Merci tout le monde, bonne soirée. On en fait une dernière. Deux. Trois dernières tunes. OK, quatre, c'est tout. Après ça, on s'en va vider les bars, tout le monde ensemble. La gang de lendemain, on s'en va vider les bars jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Go away! Gorgé! Tout le monde ensemble! Gorgé! Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages, il fait briller le soleil. Ça fait rire les Excuse-moi là. Excuse-moi, Jish, parce que j'étais parti aux deux Pierrot dans ma tête. J'étais parti aux deux Pierrot. Pattern de l'an. On est arrivé aux deux Pierrot. OK, mon Jish, attention. Ça te dérange pas? On va faire de quoi qui a rapport aux deux P? On va faire de quoi qui a rapport aux deux? OK, attention. On va aller. On s'en va toute la gang sur la rue Saint-Paul. On va débarrer la porte du deux Pierrot. Juste avant qu'ils fassent des estifies de condos là-dedans. Qu'on ait le temps d'aller fêter une dernière fois aux deux Pierrot. On va faire comme si on était le 31 décembre au soir. Vous allez tous vous trouver un partenaire de danse, bras dessous, comme moi pis Danny. Ouais, de même face à face plus, là. Tout le monde va se trouver un partenaire de danse parce qu'à soir, on s'en va faire le party de la nouvelle année aux deux Pierrot, mesdames, messieurs. 31 décembre, 11h59 et 50 secondes, on est prêts à starter ça. Ce medley-là, c'est le petit medley à Rio, version jour de l'an qu'on a mis sur le CD Les Grandes Veillées du 2 Pierrot. Vous risquez de connaître 2-3 tunes là-dedans. Attention, les gars, on y va dans 1, dans 2, dans 1, 2, 3! Oh, si vous voyagez à plein du côté de Saint-Quentin, bonjour à mes parents qui habitent. Prenez le chemin pas pavé, près de la maison vous verrez, y'a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, la autre sont habillés, et du romain entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont fascinés, on ose à peine à marcher, un bouquet de fleurs et chats, en bon main la parole. Que c'est chaleureux chez nos parents, que ça sent bon. Aussitôt que vous serez entré, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir, tu payes. On met la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Et le parti de bouffer en attendant les invités. Les voisins arrivent avec leur douzaine d'enfants. On monte en haut les coucher, ça parle, il faut les tosser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bris. On descend le cœur joyeux en écoutant le violon.
ça. Olé, 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 olé. Olé. Merci beaucoup, la gang. Olé. On a la chance d'être à Montréal ce soir. On est tous à peu près à quoi? Une heure de la maison, une heure maximum de la maison. Ceux qui ont fait deux heures. Wow, wow. Trois, quatre, cinq, six, 7 heures, 8, 9, j'arrête là. J'arrête là. Des gens qui ont fait 9 heures de route pour venir ici. Non, 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 non. Mesdames, messieurs, on a du monde qui ont fait 10 heures de route pour être avec nous autres. Allez, laissez-leur de la place qui approche un peu en avant, tabarnane. En plus, Danny a pris sa douche le mois passé. C'est dit d'un casu qu'il y aurait du monde qui ont fait bien longtemps non. de route pour venir nous voir. Hey, le pays, c'est que la semaine prochaine, on s'en va chez eux. C'est-tu vrai? Ça de même. Mais ils viennent de quel coin? Hey, non, c'est une joke. Ah, oh, je sais pas. Il va falloir que tu reprennes une douche. Wow! Passe-Pébiac, la gang de Passe-Pébiac en Gaspésie! Hey, faut que je vous raconte. La dernière fois, on jouait au festival à Passe-Pébiac. On s'est ramassé chaud. Mais chaud comme on peut se ramasser à Passe-Pébiac en Gaspésie. On a fait un concours de nage, toute la gang de lendemain de veille. On s'est dit, le premier qui traverse l'autre bord au Nouveau-Brunswick. Premier qui traverse. Ça a pris 4-5 bateaux de pêche pour nous ramener à bord, mesdames, messieurs. 4-5 bateaux de pêche. Le lendemain, on a décidé de faire le tour, finalement. On s'est ramassé, on a fait le tour. On s'est ramassé perdu dans une petite ville qui s'appelle Maisonnette. Vous connaissez la ville de Maisonnette? On s'est ramassé là. On a manqué de gaz dans le Winnebago. On est allé cogner d'une petite maison. Il nous a répondu un grand monsieur avec une grosse, grosse barbe. Une grosse, grosse barbe jaune et cigarette. Il fumait une exportée verte. On lui a dit « C'est-tu toi, Caillouche? » Et c'est là, croyez-le pas, qu'on a viré une brosse monumentale avec notre chum Caillouche. Mesdames, messieurs, pour toutes les fans de musique du Nouveau-Brunswick qui sont avec nous autres, on a besoin des mains qui tapent ensemble jusqu'en arrière, jusqu'en arrière. On a besoin des mains qui tapent ensemble jusqu'en arrière. On s'en va faire un petit tour, c'est notre chum Caillouche. T'es-tu prêt, Jean-Fred? La chaîne de mon tracteur. T'as brisé la roue de mon étendeur. Tu me butines les vaches. Tu laisses la terre s'abandonner. Et on n'est pas fou, on n'est pas fin. On n'est pas chez nous, mais on est bien. Et on vit sur le bien-être social. Et on attend le chèque d'envoi de masse. C'est à vous autres, on y va. On est pas fou, on n'est pas fin. On est pas chez nous, mais on est bien. On vit sous le bien-être social. Et on entend le chef d'or. L'alcool nous voilà si criminel. La bière on est chaud, mais la poche gèle. En rêvant, t'es toujours arrêté à toutes les 5000 pour pisser. Même si t'as gradué et même si que t'es âgé, oh, tu vas te faire voyer par la GRC. Tu vas avoir l'air de bonne et tu souffres dans ballon. Mais c'est bien mieux que de se faire tuer. L'alcool, on va la lancer criminel. La bière est chaude, la poche gèle. Si tu bois en rêvant, dis toujours arrêté. À tous les 5000 pour le faire. Ah ouais, on tape des mains. Hey, 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 hey. Et la mission à la batterie, Jérémy Jandot. Cigarette, fume, 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 même
encore la chance d'avoir Nathalie Harvey avec nous autres ce soir. Je sais pas si on a Yves et Jeannette qui célèbrent leurs 40 ans d'anniversaire de mariage. Je sais pas si Alain Provost est encore capable de boire une petite gorgée. Et je sais pas si Jennifer Grant est encore debout. Je le sais pas. Mais d'un coso qui serait là. Et à tous ceux qui ont quelque chose de spécial à célébrer ce soir au Club Sona. Mes chers amis, levez vos verres. Mes chers amis, levez vos verres. Et surtout, ne le remerciez pas. Et portez-le au frontibus, au nectibus, au menton, bus, au taton, bus, au nombril, bus, au sexy, bus, jusqu'à ta bouche. Ah, vu que c'est ma fête à soir, j'ai-tu le droit d'en boire un? Il y a ma mère qui me regarde depuis tantôt et là, non. Premièrement, c'est pas ta fête. Deuxièmement, j'aimerais mieux que t'en boives pas un autre. Hein? Mais au pire, maman, elle va être là pour te ramener. Et là, maman, faut que tu comprennes à soir, c'est notre premier Club Sona! C'est-tu le dernier? La prochaine fois, ça va être le Centre Bell? J'ai pas le droit de parler de ça, mais juste à côté, le club à côté qui s'appelle le Métropolis, ce soir, c'est Charlotte Cardin qui est là. Et l'ancien bassiste de Lendemain de veille est le bassiste de Charlotte Cardin. Et tantôt, il est venu prendre un shooter ici. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, Mathieu? Il m'a dit, je sais pas comment dire ça, mais il dit, la gang qui suit Lendemain de veille, eux autres, ils savent comment faire le party! Et là, on a mis Mathieu au défi, on a dit, aussitôt que tu finis la dernière tourne avec Charlotte, tu couvres, tu rentres par le backstage, puis ça se peut, si tu vois un grand mec arriver tantôt qui boit un shooter, c'est parce que son show t'es plate en esti. Là. Il va le faire. Puis la gang qui suit le lendemain de veille, ils savent comment faire le party! Ben oui, oui, ça c'est ça. On en fait une dernière, Jay, ou c'est fini, là? On va y aller avec des lumières noires, vertes. Mesdames, messieurs, on va vous présenter les techniciens qui travaillent avec nous autres ce soir. Sur la scène, il se promène un peu partout. Il est à veille de se mettre en bobette quand il est bien chaud. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour Vincent Bourgeois! Notre sonorisateur est aussi notre papa en tournée. Directeur de tournée et sonorisateur, il est avec nous autres à la board de son en arrière. Faites du bruit pour Monsieur Gabriel Pétrin! Il est complètement au deuxième étage parce qu'il y a de la misère à contrôler son alcoolémie. Mesdames, messieurs, à l'éclairage, fais-nous spinner ça, mon chum Jeremy Room! Et pour une des premières fois, ils sont avec nous autres à soir pour constater l'ampleur du dégât. Mesdames, messieurs, notre équipe de communication, marketing, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous tiennent sous. Notre compagnie de disques. Et notre compagnie de disques, faites du bruit pour la gang de Cartel Musique! OK, c'est assez. Maintenant, faut que ça brasse. We'll be right back.
Mesdames, messieurs, on a quelque chose à vous dire. À tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir voir le premier Club Soda de lendemain de veille. À tous ceux qui nous suivent depuis la pandémie ou depuis 2008. À tous ceux qui nous écoutent dans leur Spotify, dans leur iTunes, au chalet, dans leur char ou à la maison, des parties de famille. À toutes vous autres, on vous dit... 10 bouteilles! 10 bouteilles! On en a jamais assez! 100 bouteilles! 100 bouteilles! Je suis toujours en soirée! 1000 bouteilles! 1000 bouteilles! Je ne peux même plus les compter! Je te dis de monter que nous serons... Y en a-tu qui veulent venir faire l'after party avec nous autres après? Pour ceux qui vont rester avec nous autres dans 5 minutes, après, je sais pas quand. 17 à minuit, 1 heure à soir. On va être en arrière, il y a un kiosque de marchandises. On veut vraiment remercier Anthony Gendron et Stéphanie Pouliot qui s'occupent du magasin de merch le lendemain de veille. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Après la dernière chanson, 5 minutes après, on va être avec vous autres. On va prendre des photos... des shooters, ça va être ça, ça va être ça. On va prendre ça avec vous autres jusqu'à temps que le soleil se lève. À soir, il n'y a pas de fin. Il nous manque-tu une toune à jouer ou on peut arrêter ça là, là? Chris, on a travaillé fort pour n'oublier. Bon, là, on a-tu le temps d'en faire une dernière? Ça a l'air qu'on a du monde de Montréal à soir pis qui nous aime! OK. OK, attends. Ça a l'air qu'il nous reste une dernière tourne à faire. Merci beaucoup, la gang de Montréal qui sont avec nous autres. Hey, part en body surfing, let's go! Non, t'es grand, mon chum, fais pas ça, tu vas te faire mal. Ici. OK. À tous ceux qui sont se déplacer pour nous autres, on va essayer de vous en inventer une dernière si on est capable. Club Soda, à la prochaine. Dans le village jusqu'on vient, ça a l'air qu'il y a tellement rien à faire que le soir, on se porte sur le bord de l'eau puis on pêche. On pêche la barbotte. C'est pas parce que c'est bon de la barbotte, c'est pas bon de la barbotte. Mais... c'est le seul poisson qu'il y a dans la rivière. Ça fait que quand on la pêche, on la remet à l'eau pour le prochain qui va pêcher. Et par un soir de bière, il nous est arrivé une aventure que je vais vous raconter dans... 1, 2, 3!
deux, trois. On était quatre dans chaloupe, y'en avait un dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était quatre dans chaloupe, y'en avait un dans le bungalow, et on avait de la misère à se tiendre. On était sous un jour, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous un jour, ben sous, on était sous l'effet. Ah ouais, tout le monde fait du canot avec mon Jamérique, ah ouais, ouais. On était trois dans chaloupe, y'en avait deux dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était trois, tout le monde comme un chien. On avait de la misère à se tiendre. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. À tous ceux qui sont sous l'effet de la bière, à soir. On était deux dans chaloupe, y'en avait trois dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était deux dans chaloupe, y'en avait trois dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était sous, ben sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. Ah ouais, fais du bruit, club soda. Hey, tiens, parle-moi de bière. Chaloupe, il était quatre dans le bungalow, puis j'avais de la misère à me tiendre. Il était seul dans chaloupe, on était quatre dans le bungalow, puis j'avais de la misère à se tiendre. J'étais sous, ben sous, j'étais sous l'effet de la bière. J'étais sous, ben sous, j'étais sous. Parce qu'à soir, c'est notre premier club soda à vie. À soir, on va être sous. L'effet de la bière. Sous l'effet, sous l'effet. Hey Eric, on sera pas juste sous l'effet de la bière. On va être sous l'effet des petits, tu sais, les petits. Un petit shooter, 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 un petit shooter,
Il nous en reste juste 4, ça tombe bien. Faites du bruit pour Marc-André Rioux! Olé, 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 olé! Oh. Fort cette semaine, hein? Ouais. On mériterait de s'en déboucher une. Ah oui! Ah oui! Hey, prendriez-vous un petit shooter, vous autres? Eh hey, oui! Un petit shooter, 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 un petit shooter. On a perdu notre 41 de Jack. Là. Jamais faire confiance aux fans de lendemain de veille. Ils boivent plus vite que nous autres. C'est ça qu'on vient d'apprendre à soir. J'ai cette toune-là s'appelle Le Petit Voyage. Le Petit Voyage. Pas besoin que ce soit bien loin, ni
j'aimerais ça inviter, je sais pas, Laurie, c'est dans le coin, j'aimerais ça inviter Laurie pour prendre une photo. William aussi. Mon chum Will, si t'es là, viens-t'en. À soir, on fait un making-of. On s'est dit, ça va peut-être pas arriver plein de fois qu'on va remplir le Club Soda Montréal. On a invité notre chum caméraman. Faites du bruit pour William, qui est avec des autres. Hey, mon Will. Will qui a travaillé sur le vidéoclip de Mère Tremblay, qui est avec nous autres pour faire un petit recap de qu'est-ce qui va se passer. Laurie, si tu m'entends, t'es peut-être dans le fin fond de la salle. Je t'invite à venir nous rejoindre sur la scène parce que... Et Jérémy aussi, écoute-moi bien, on va essayer de prendre une photo avec toute la gang du Club Sona. Sona? On s'est dit... Nous autres, on a dit au monde, à soir, on a dit, cherchez-nous pas, on est au Club Soda, il y a 10 000 personnes. Et on dit, il rentre pas 10 000, on a dit, oui, il rentre 10 000, Anesti, Casélande, Mainville, il rentre 10 000. On va ouvrir les lumières, on va voir tout le monde, on va prendre une photo qu'on va mettre sur Facebook. Puis tous ceux qui étaient pas là à soir, ils vont faire le saut, puis ils vont regretter en maudit, OK? Les gars de l'Homme Mainville, venez me rejoindre. T'es-tu prête? L'eau? William, filme ça aussi. Je vais compter jusqu'à 3. Tout le monde va mettre les mains dans les airs jusqu'au deuxième étage. Attention à la gang, c'est le plus beau show de toute notre vie. 1, 2, 3, go! Okay, attention, il y avait quelqu'un qui souriait pas juste en arrière ici. Ça, c'est Mathieu Mercier. C'est bon. On va recommencer ça. 1, 2, 3, go! OK. On peut arrêter de faire semblant d'avoir du fun. Mesdames, messieurs, j'ai fait un coup de cochon. Vous savez, c'est quoi un coup de cochon? J'ai fait un coup de cochon à ma chum Andy Thériault. Andy Thériault qui vient, il n'a même pas sorti encore son EP, encore son album éponyme de 5 chansons qu'on a faites. Moi et mon chum Marc Valois puis monsieur David Jalbert aussi. On y a concocté un petit album. Et j'ai annoncé ça mardi soir au téléphone. J'ai dit, hey Dédé, ton premier show, ça pourrait être au Club Soda, ben plein. Elle a dit, tu me niaises, là. J'ai dit, ben non. Elle a fait ça comme une championne. Mesdames, messieurs, la première partie de Lendemain de veille. Faites du bruit pour Andréanne Thériault! C'est vrai qu'elle était bonne. On est-tu prêt à s'enclencher un autre, mon chum? Une petite toune, c'est notre toune, la seule toune de Lendemain de veille qui a roulé à radio. Elle a roulé pendant 40 semaines. Celle-là... On la dédie à tous ceux qui sont bien accompagnés ce soir avec des amis, des chums de la famille, des collègues de travail. Méchant, arrive. Celle-là s'appelle « Venez faire un tour à la maison ». C'est parti! Pour me voir dans les débordements de ma vie, je pense qu'ils ont peur que je les oublie. Ils connaissent mes histoires, les chums du temps, du tête-cul. C'est pas ça qu'il faut que tu perdes.
moi je m'occupe de la bière. On se contre nos histoires de con. On se rendra jusqu'à la fin de l'hiver. Venez faire un tour à la maison. On fera comme si c'était hier. Vous étiez à la maison. Shooter en bonne santé, mes amis! Mathieu! Mathieu! Plus fort que ça! Mathieu! Mon cher Mathieu, lève ton verre, lève ton verre. Bonne fête, man. Lève ton verre. Mon cher Mathieu, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas. Et porte-le au frontibus, au nitibus, au mentonbus, au tétonbus, au nombribus. Mesdames, messieurs, parce qu'il a fait la tournée et le deux Pierrot avec l'endemain de veille pendant plus de 5 ans. Mais depuis qu'il est avec Charlotte Cardin, il n'a pas bu une seule goutte d'alcool, mesdames, messieurs. Ouh. On va checker s'il est encore capable. Ah oui, Mathieu! On a le temps de s'en faire une dernière. Le temps de remercier Gab Pétrin à la sonorisation. Le temps de remercier M. Vince Bourgeois à la technique de scène. Le temps de remercier Jérémy Room à l'éclairage qui est avec nous autres. Le temps de remercier mon chum Will qui va faire le making-of de qu'est-ce qui s'est passé ce soir au Club Soda alors que les petits gars de la banlieue sont débarqués avec toute leur souhait à Montréal! Merci beaucoup à l'équipe du Club Soda. On s'est fait des chums à soir. Merci beaucoup, les boys, d'être là. On vous adore. Et un dernier merci à l'équipe de Cartel Musique, ceux qui gèrent la carrière de Lendemain de veille, la très longue carrière, la grande carrière. Ceux qui... Hey, attention, on va essayer, on veut pas leur mettre de pression, mais ceux qui vont faire en sorte qu'on va jouer un jour sur les plaines d'Abraham, mesdames, messieurs. Et là, je sens David qui dégouline. Je sens David qui dégouline. Merci beaucoup aussi à Anthony et Steph Pouliot qui s'occupent de la marchandise. Après la dernière tourne, on s'en va juste de l'autre côté. Il y a le kiosque de marchandises. On s'en vient vous serrer à la pince. Prendre des follows. Prendre des photos. Les gars, vous allez le dire pour moi, prendre des photos. Photos. Et prendre des shooters avec l'équipe de Lendemain de veille. Il nous en reste une dernière. Une vraie de vraie dernière. On l'a fait, les boys. Après ça, on s'en vient vous rejoindre pour prendre un shooter. On vous aime à l'infini et plus loin encore, mes chums. Merci beaucoup de vous être déplacés. On est le groupe Lendemain de veille depuis 2008. Des petits gars fiers de venir de la campagne. Et cette toune-là s'appelle « Toune de mon oncle ». C'était en mars 71. Il y avait tombé 20 pouces de neige. Ça avait l'air de la fin du monde. Il avait même fermé le collège. Mon père était monté en skidou à Montréal pour déneiger. Lui pis ses chums.
était comme des fous sur le top des gens, sur le pont Mercier. C'est tant des coups, tant des mononcles et toutes les histoires qu'il raconte, parlant du bon vieux temps où tout pouvait se passer. Je me demande comment ça a pu changer. C'était un soir en 76. Mon oncle fille était chaud comme la braise. La bière entre les deux jambes s'en retournait chez eux. Se fait coller par la police. Tu roules tout croche, c'est dangereux. Quand une bière, je te fais un livre. Je te laisse une chance. C'est tant des coups, tant des mononcles et toutes les histoires qu'il raconte, parlant du bon vieux temps où tout pouvait se passer. Je me demande comment ça a pu changer. Personne pourrait inventer. Partir un band avec des chums. On est sa route depuis 2008. Je pensais jamais que ce serait si le fun. Mais quand j'y repense, c'est vrai que la vie va vite. Faut bien croire que c'est vrai. C'est vrai que la vie. Merci Club Soda! Il est en Valois! On est le groupe Lendemain de Veille! Merci beaucoup, Montréal! Ah ouais, Éric Chénier, plus bas, plus bas! Ah ouais, Éric Chénier, on s'en va se mettre à genoux en terre! On est le groupe Lendemain levé, on s'en vient, on joue plus tard tantôt. Merci beaucoup la gang! Salut, bonne soirée!